Salut à tous les amis, c'est Sasa et on se retrouve pour le 10ème épisode de notre Let's Play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Et donc nous étions en train de terminer l'exploration de Blanchefleur tout simplement. Et nous allons continuer ça ensemble afin de clean toute la map et de continuer à XP. Nous sommes bientôt level 4 et c'est parti les amis, le prochain point est juste devant nous. J'aperçois déjà des noyeurs au loin qui vont nous enquiquiner et c'est parti. On va les déloger de ce pont. Et on voit déjà des ondes de notre petit cheval. Alors, on va prendre les signes des feux. Voilà. On va sortir une petite épée en argent. Et salut les copains, comment allez-vous? On m'a dit qu'il y avait un petit centre. Voilà, petite esquive ici, petit. Et tu veux venir, tu sais? Commencez par toi, apparemment. Ce que t'en veux. Ne partez pas. Commencez juste à s'amuser. Voilà, niveau 4, on a gagné un point de compétence. Wow, allez viens. Oh non, non, tu m'ennuies. Bon, peut-être faire une esquive là, t'es vrai. Et voilà, ah non, décidément. Ah, là, une belle baffe de côté, ce bretien. C'est un noyeur. Mais il a laissé son butin ici, une salve de monstre. Donc, qu'y a-t-il ici à découvrir, mis à part que c'est infesté de noyeurs? C'est un corps. Clé ornée d'un lys témérien. On va sûrement y voir un petit corps, quelque chose comme ça, dans le champ. Un petit peu tout ça. Et le coffre est juste là, très très bien. Oui, collier en argent, certie, autre objet magique, on prend plus. Nouvelle quête, butin témérien. Ah ben voilà, ça fait une quête en plus. La surface, est-ce que vous voulez ? Voilà. Et on va donc suivre cette nouvelle quête qu'on vient de débloquer avec ce petit coffre. C'est une chasse au trésor, j'aime ça. Niveau 4 aussi, ça tombe bien. Ah d'ailleurs, on va mettre notre point de compétence en plus. Alors, sur quoi on pourrait mettre signe? Alchimie, est-ce que je ne débloquerai pas encore une petite technique pour être intéressante? Chaque pièce d'armure légèrement de 25% de dégâts de vos coups critiques. Chaque pièce d'armure intermédiaire. On va laisser ça pour plus tard. Ça, j'aime beaucoup. Si votre niveau de vigueur est trop bas, vous pouvez utiliser votre point d'adrénaline pour lancer des signes. Ce qui me permettrait de lancer deux signes. Ce serait pas mal du tout. Allez, on va prendre celui-là, pourquoi pas. Carreau d'arbalète, ça c'est pas mal non plus. Et je crois qu'on va mettre la rage maîtrisée. C'est des points cadeaux. On va remonter à cheval. On va lire le document qu'on vient de trouver. C'est le document d'enquête. Ordre militaire imbibé de sang, ça doit être ça. Voilà, ça a dû débloquer. Voilà. Alors, on va regarder. Où est-ce que ça va nous amener tout ça? Eh bien, pas très loin. Pas très loin du tout. Le putain de témérien étant juste là-bas. Ah, mais c'est l'endroit d'où je viens, non, en fait? C'est l'endroit d'où on avait fait le précédent épisode. Et justement, il me manquait une clé pour ouvrir un coffre. Et je pense que cette clé, ben, on vient tout juste de la trouver. Ah, ouais, c'est bel et bien ça. Voilà, maintenant je sais où était la clé du dernier coffre. Et ben, voilà. Hein. Il suffisait d'explorer la zone. Je me souviens qu'il y avait un coffre qu'on n'avait pas pu ouvrir ici. C'était le gros coffre là-bas, en rouge. Voilà, maintenant on a la clé, certainement. Ah là, alcool, documents gribouillés, des bougies. Merde, l'argent, ça servait bien pour nous filer des lingots d'argent. Nickel, chrome. Super, super. On va monter sur les deux tablettes. Wow. Et on va continuer, je pense, vers l'est. Et on va aller faire ce point, puis on va redescendre. On va faire ici le nid de monstre. On va redescendre, on va faire tout ça ici. Hein. Et on aura bientôt fini l'exploration complète de Blanchefleur. Et ça nous aura fait pas mal XP. Et je pense que c'était nécessaire, hein, vu qu'il y a des quêtes de level 7 et tout ça sur la prochaine grande ville. Et c'est parti, on va mettre un marqueur, on y va. Et puis on voit du pays, et puis franchement, c'est pas déplaisant.
dans la prochaine ville. Dès qu'il y aura quelqu'un capable de nous forger une nouvelle arme, eh bien, on a les plans. Et j'ai tout ce qu'il faut. C'est quoi ça? Un chien sauvage? Ah ouais, d'accord, je crois que c'était le... Je me dis, mais il est énorme, en fait, c'est un chien qui pourrait emprunter un cheval. On va s'occuper de chien sauvage level 1, ça m'intéresse pas. Dans une petite colline infranchissable. On va faire le tour. Et là, je vois qu'on arrive à des... Qu'est-ce que c'est que ça, un campement? Très étrange comme endroit, je ne sais pas être passé par là. Ouais, ça, c'est un campement, très clairement. On y va. Je ne pense pas qu'on va être la bienvenue ici. Là. Oh là! Mais on va aller jeter un œil juste pour voir ce que c'est. La curiosité, messieurs, la curiosité. On est là pour explorer. C'est un ancien campement. Il n'y a rien du tout à part faire exploser pas mal de choses. Je pense qu'on va partir d'ici. Allez, reviens par ici, Ablette. On va continuer notre route. Je t'en fous, je pars derrière. Pardonnez-moi l'expression. Est-ce qu'on peut y passer? Est-ce que je vais devoir tout faire péter? Est-ce qu'on peut tirer un carreau là-dedans? Ou alors jeter une bombe peut-être? Ça va peut-être tout péter, on va voir. Non, non. Mets-toi un peu à l'écart, Ablette. Je vais tester quelque chose. Pas si vite, Ablette. Pas si vite, pas si vite. Fais-moi descendre. On va essayer de lancer une belle bombasse là-bas. Ça devrait peut-être faire péter la porte. Ça pourrait m'ouvrir la suite du chemin. J'espère qu'on va bien viser, ça devrait être bon. Non. Carreau peut-être. J'ai envie de mettre un signe d'igni à bout portant et me faire cramer avec, bien évidemment, ce serait un peu con. Donc, qu'est-ce que je fais là? C'est plutôt comme ça. Bah, forcément, on va tester un signe d'igni. Je croise les doigts pour que ça ne me défonce pas la tronche. C'est pas expliqué. Si, si, c'est bien le même cas. Et non, ça n'a rien fait à la porte. Je faisais d'ouvrir en fait. Rien de plus simple. Ben voilà, viens par ici, Ablette. Ça complique la vie pour rien. Pourquoi est-ce qu'on pensait que c'était fermé? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit que ça serait trop facile. C'est bien, Ablette. Oh là. Et voilà, désolé pour cette petite pause, j'ai simplement fait tomber ma bouteille. Et on continue. Alors l'endroit est un peu plus... Du nerf, Ablette. Waouh, de la glace. On va juste déposer notre cheval. C'est un champ de bataille. Allez, viens, n'aie pas peur. Laisse-moi te montrer tout ton amour. Allez, ça, tu vas pas faire encore. Oh, allez, la baffe. Couper en deux. C'est temps que j'aille voir mon ami de nain, histoire de faire réparer. Plusieurs en même temps, ça serait chouette. Là, 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 de la goulasse. En veux-tu, en voilà. Terminé avec un gros coup. Voilà, un rang. Donc, on vient de trouver... Eh bien... Un nid de monstre. Je vais m'en débarrasser. Ça, c'est sûr qu'on va s'en débarrasser, mon coco. Et en même temps, un petit point de compétence gratos. Un petit bonus. Je sais pas c'est quel signe, ça va, je les connais pas tous par cœur avec les symboles. Voilà, c'est le signe de Quen, donc le bouclier. Comment ça, j'ai pas. Ah, bah oui, on va méditer tout simplement. On va faire passer une petite heure.
Parce que ça remet les bombes. Regardez vos objets alchimiques. Merci, merci. Voilà, je dois avoir une bombe ici. Que fais ce tu? Je dois avoir la bonne bombe normalement. Voilà, là tu me plais. Donc ça va peut-être faire sortir encore une glace ça. Bah du coup si ça n'a fait sortir aucune, tant mieux. Ça nous a rapporté de l'XP. Arrêtez, c'était vraiment le champ de bataille, rien à récupérer. Vous voyez ce que je me disais, ça fait donc pas une glace. Allez, viens, on va pas les idées. Je veux pas venir, c'est moi qui vais me chercher. Voilà. Chose à me donner. S'il y a peut-être quelque chose à récupérer, on va chercher. Une masse. Ouais, sentez bien. Des oranges, on aurait plus besoin, mes pauvres hommes. Une masse, ça ne me servait pas plus que ça. Viens par ici, Ablette, on va continuer. Champ de bataille, c'est très bien fait, c'est bien triste hein, comme vision. Assez vite. Alors, on va regarder la carte du monde. Donc, on s'est occupé de ce nid. Voilà, il n'y a plus rien de plus au nord. On va aller vers ce nid ici, qui est l'endroit, l'autre endroit le plus proche. Puis, on retournera vers les autres points d'interrogation ici aux alentours. C'est parti. Allez, Ablette du nerf. Ça par contre ici, peut-être des choses à fouiller. Non. Je pense qu'on était déjà venu ici, mais c'était... C'est bien, Ablette. C'est bien, Ablette. C'était pour la quête avec le gars qui avait perdu son frère, si je me souviens bien. Hop, 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 la glace. Alors, on va descendre le cheval. Le cimetière, ça c'est bien. S'il y a un nid. Un nid de ghoul, je vais m'en débarrasser. Bien sûr, on s'en débarrasse. On va s'occuper de celle-là ici qui est juste après moi. C'est tranquille, les amis. Allez, disparaît. Extrait venin, c'est toujours bien. Ici, il y a le corps d'un pauvre homme. C'est une boule. Un extrait de venin. Un nid de ghoul. Je vais m'en débarrasser. Oui, on va s'en débarrasser une chose à la fois, mon garçon. Voilà, qui est fait. Ça va me faire pop une dernière boule, si je me souviens bien, comme d'habitude. Et on a gratté un peu d'XP. Toujours ça de fait. Alors d'habitude, ça en fait pop une dernière. Non? Bon, pas ce coup-ci. La blatte qui ne veut plus bouger. Pas dans le mauvais sens. En avant. Alors, ça c'est fait. On va se diriger vers ce point-là, qui est le point le plus près. Pas peur, Ablette, c'était qu'une petite descente. Campement de bandits. Oui, tu pas si vite, Ablette, en effet. Donc, ce sont des humains, on va tout simplement. Eh bien, les amis. Oh, l'archer, toujours caché. Hein. Allez, venez, les copains, venez. Allez, approche. Je le vois toujours pas, évidemment, je peux pas savoir quand il tire les flèches. Voilà, je vais essayer d'esquiver. C'est bon, on va quitter. Éventrer.
quoi, je vais aller chercher parce que ça m'ennuie qu'on me tire comme ça comme un lapin. Voilà ce qui se passe. Ça t'apprendra. Bon ben, c'était un petit complot. Hein. Ah, ça va, j'ai pas besoin de tous ces petits objets qui servent à rien. Vous avez un petit coffre. Hein, avec un peu d'or. Bon, déjà un bien maigre butin. Le jambon, je prends. L'épée, une vigueur de rouille, on s'en fiche. Et les cuisses de poulet, je prends aussi. Viens donc ici, Ablette, s'il te plaît. Fais pas n'importe quoi. Ça, c'est réglé, on s'est occupé de ce petit camp. Yeah. Plus rien d'autre à prendre, je pense. Ah, ah, ah. Ce coffre-là, je l'ai pas ouvert. Ah, si c'était le coffre qu'on a ouvert ensemble, je pensais que c'était un autre. Allez. Alors, la carte du monde, allons sur le prochain endroit. Donc le plus proche qu'on n'a pas visité, c'est celui-là. Et on va y aller de ce pas. Traverser le village. Village pillé, on n'a pas grand-chose dans notre village. Que des pauvres femmes qui pleurent. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. En avant. Ralentissons la foule de noyeurs en bas. Il faut absolument que j'aille chez le forgeron après. Alors, des noyeurs en bande, ça fait pas plaisir, même pas ça. Rester en mouvement pour pas se cacher par l'autre. Il y a assez de nous attaquer quand on aura le dos tourné. Voilà qui est fait. Alors, il y en a encore un ici, c'est très bien. Qu'est-ce que ça brûle? Et la tête en moins. C'est toujours plus sympathique avec la tête en moins, je l'ai toujours dit. Alors ça, ils étaient en train de creuser, mais pas très malin hein, les amis, de venir creuser. Là, pour cacher votre trésor alors que vous êtes à côté d'un nid de noyeurs, ben voilà hein, ce qui se passe. Malheureusement, vous êtes mort. Voilà. Épée longue, calcium, ça je prends. Pour vous faire schéma super. Pas j'arrache détection de troll. Je prends aussi. Bon, après, on va la prendre parce que je sais pas si ça vaut quelque chose ou pas. Culotte de cavalerie, très bien. Sinon, c'est une terre qui sert. Schéma courte, sans prendre. Et je pense que c'est tout pour ici. On est surchargé. Alors on va jeter des choses utiles comme ça par exemple. Les pylônes de Vélène, tu n'en as pas vraiment besoin. La matraque, ça sert à rien. La hachette ici. C'est une arme secondaire, c'est pas mal du tout. Le personnage n'a pas le niveau, mais je la garderai bien par contre celle-là. Ça, je m'en contrefiche. C'est bon. Plus d'acier, plus de place, pardon, qu'autre chose. Et de Novigrad, on s'en fiche aussi. Donc ici, j'ai des bottes de cavalerie qui sont meilleures, tout simplement, que ce que je porte. Là, j'avais des bottes de chasse. Je l'ai... Alors, bon. Le pantalon de chasse que j'ai est mieux. Ça, c'est la même chose, les gants de chasse. On pourra les garder pour les démonter, par exemple. Voilà qui est pas mal. On a fait de la place. Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre? En plus, on est encore un corps avec la tête dans le sable, à moitié ensablé. C'est parti, on y va. On continue pour la suite. Petit slide. Beaucoup de cadavres hein, qui jonchent le sol ici. Et encore des amis noyeurs, évidemment. Ça n'aurait pas été drôle sinon. Chasser de côté. Allez,
C'est pour moi, je m'occupe de ton copain, c'est pas super fun. Donc ça, va te faire plaisir. C'est un moyen. Il m'a rien lâché du tout. J'aimerais bien sortir d'ici. Est-ce qu'il y a un endroit pour refaire surface? Voilà. Toujours pas. Voilà qui peut remonter au village de cette manière. Donne. Alors ablaté par là. Ablette qui doit en avoir marre de se faire lécher les cuisses par cette tête de griffon velu. Donc. En plus, attends, on va continuer, pardon. Alors, on en était... Prochain endroit, le plus proche, eh bien c'est ce pont, tout simplement. Et on va y aller. Plus vite. Plus vite, tablette, plus vite. Qu'à suivre la route. C'est le pont là-bas qui est en contrebas. Il va y avoir de la longueur. On va descendre. Je me tends déjà au pire. Qu'est-ce que c'est ça? On va voir bien. D'accord, une cache de contrebandier. Je prends tout. Oui, merci pour votre cash. Super, super, on passe quand même. Pour m'en donner plusieurs comme ça, je prends. Je vais juste regarder fond de l'eau s'il y a quelque chose à prendre. Non, tout était là. On va juste prendre le reste des caisses. Ce sont tous des items à artisanat et à alchimie, c'est super. Endroits comme ça. Si vous en avez encore, on est preneur. Prochain endroit, ça va se passer sur notre droite dans la forêt. On va aller voir de quoi il s'agit. Forêt bien dense, des cerfs apeurés et des monstres droit devant nous. Des ghouls très certainement. Mauvaise idée. Non, des bandits. Alors, meneur des déserteurs, d'accord, il y a évidemment. Un archer comme d'habitude. Allez, viens à toi. On a tort de porter l'archer qui va essayer de me choper. Alors les mecs, on vient pas. Allez, ça sera toi le premier. Que soit ainsi. Ah bah, il fallait pas me prendre le dos. Ah, cet archer qui me... Une grosse hache, toi, dis donc. Pour éviter celui-là. Allez, viens. C'est fini pour toi. Alors, ils sont deux, nos amis archers. Et ça commence à m'ennuyer. Mais regarde-moi ce petit salopard caché derrière ce mur. Tiens, pas trop loin ça. Ça fait sauter la tête. Alors, petite matraque, je m'en contrefiche. Alors, le deuxième archer qu'on a tué, il doit rester quelque chose de lui ici. Des florins, la petite matraque, tu te la gardes. Des florins, bon, ça j'en veux plus, ça prend de l'espace pour rien du tout. Cuir usé, je prends. Et leur meneur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Manette qui fait des siennes, d'accord. Un sandwich au jambon, ok. Alors, on va aller fouiller leur petit camp. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous avez caché de beau ici, les amis? Bon, un petit coffre. Pierre runique, pas mal ça. Plaque d'acier, très bon. Phosphore, couronne. On prend le tout. Poudre de perles, je prends le tout.
chose d'autre d'intéressant dans le coin? Non, c'est tout. Et on se dirige tout simplement vers le prochain endroit, les amis. Prochain endroit qui se trouve là-bas. Et après, on ira en même temps. Alors ça, c'est un site abandonné. Je vais le faire aussi, puisque là, on risque de débloquer peut-être un forgeron qui serait capable de nous faire des armes. C'est bien, Ablette. C'est bien, Ablette, dit-il. Dénoyeur. Ah, chouette. Vous entendez mon enthousiasme? J'adore ça. On traverse vite. On va tirer encore plus. Enfin, on va rester sur une île hein, parce qu'ils sont sensibles au feu. On va leur faire la fête. Très bien par ici. Oh, c'est pas juste. Juste avant mon pas de danse. Non, mais... non, pas de justice. Là. Voilà. Oh là 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 là. Bon, on en sort jamais. Petite esquive latérale. Et aussi je suis découpage en deux. Aussi tu l'as vu. On va s'occuper de ton copain là-bas qui a une vieille tronche. Pas se mentir. Non mais. Brûle avec ton pot, ça va nous faire rire. Voilà. Ça c'est pas mal du tout. Jacques de chasseur de primes, on dirait que j'ai enfin trouvé. Alors, tout le reste en fond. On va donc ramasser ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a laissé quelque chose? Ouais, un petit cerveau. Force de manger du cerveau de noyeur. Je les comprends parfaitement. Bientôt on va parler de noyeur. Ça ne manquerait plus que ça. Culotte de cavalerie. Peut-être que c'est meilleur. On va comparer tout ça après. En attendant, d'abord, on va tout looter. Poudre chimique. Vitre chèvre. Et voilà, pardon, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Allez, on va voir la suite. Alors, une... Non, là, ça, est-ce que c'est mieux? Ben non, hein, c'est pas mieux. Mon gambison de sidérien qui est affreux est toujours meilleur. Malheureusement pour nous, la culotte ici, est-ce que c'était celle-là peut-être? Non, c'est toujours moins bon que ce que j'ai. Unique à placer dans le placement vide d'une épée pour améliorer ses caractéristiques. Bien sûr, je n'ai pas encore d'épée qui possède ce genre d'emplacement. Donc c'est quelque chose qu'on va garder bien précisément pour la suite. Et on va continuer notre route. Ablette ! Je vais voir Ablette traverser. Ah, Ablette qui nage, je ne le savais pas. Sinon, je l'aurais fait avec lui. Donc ça, c'est cool. Je suis fier de toi. Alors, je pense qu'avant de continuer, on va juste aller réparer nos items, hein, nos épées. Une aire, Ablette. Une aire, Ablette, s'il te plaît. C'est juste ici à côté, on va te faire vite fait. C'est bien, Ablette. Ah, c'est bien, Ablette. Doucement. En même temps, ça nous donnera l'occasion. Déguiser notre lame. Cet hiver, on va devoir manger des roseaux. Ils ont pris tout notre grain. D'abord, améliorer ça. Notre bienvenue, fidèle client. Oui, on va passer. Je me demande si on peut fabriquer la première armure que j'avais. Non, c'est son niveau qui est suffisant. De toute façon, j'avais pas assez. Donc la ficelle, on va voir si j'en aurais besoin, ça sert à rien de la faire si ça ne me servira pas plus. De toute façon, il peut rien me faire de plus ici, puisque lui c'est un armurier. Et même ça, il me manque des... Ah non, ça je peux faire, hein, ça il peut me faire. Veste en cuir de guerrier. Bon, de toute façon, celle que j'ai sur moi, c'est celle-là. Ah, il me manque deux morceaux de tissu, schéma de tissu. Je pourrais en faire en fait. On va en faire, hein.
Alors là, celui-là est vachement intéressant par contre. Équipement intermédiaire, ça c'est de l'équipement léger. Pas mal du tout. C'est en cuir de guerrier, évidemment. Pour ça, il me manquerait. C'est quoi qui me manque? Est-ce que c'est de la ficelle ou c'est du fil de fer? Je veux juste voir ça. C'est du fil de fer. Hein. Est-ce que le fil de fer, il peut m'en faire? J'en ai vu plus haut, mais je sais pas si c'était du fil. Ça, c'est de la ficelle. Non. Ce serait pas mal. Je vais le faire. Alors, réparer. Bien, merci, merci. Alors, on va déjà... Au revoir. Adieu. Alors, on vient de se craft. Enfin, c'est bien. Ça, c'est très très bien, on va mettre ça. Toujours la même chose affreuse, hein, mais bon. En attendant, ça dépanne. Réparer. Et je pense qu'on va tout défaire, tout démonter. Alors, on va lui faire tout démonter, ce vieux Willis. Bienvenue, fidèle client. Montrez-moi ce que vous avez. Allez, démonte-moi tout ça. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne de l'ambre, mais ça coûte très très cher à démonter. Minerai d'argent raffiné. Alors ici, je sais que... Avec la poudre, il pouvait m'en faire des lingots d'argent. Je ferai ça après. Morceau de cuir, lingots de fer, lingots de fer, lingots de fer. Ça coûte pas grand-chose à démonter. On va le faire démonter. Argent insuffisant? Comment ça, argent insuffisant? J'ai plus d'argent? C'est bizarre ça, je vois que j'en ai encore moins. Bon. Du coup, on va peut-être lui vendre des choses alors. On va essayer de lui vendre des choses. Montrez-moi ce que vous avez. Je les ai, pas tout défaire non plus. C'est toujours moins bon, ça va me faire de la place. Faire un peu d'oseille. On n'a pas de matériel pour l'instant, bon, ça tu m'enlèves cette horreur. Ça c'était l'ancienne jaque chasseur de prime, j'en ai pas besoin. Hein. Alors, ici il faut pas grand chose, hein. Par ça, mais ça peut me donner une ombre, donc je préférais la garder, on sait jamais. Voilà, moi je suis à 432, quand même on va monter pas mal. Ça il m'en prend 8, ça je garderai bien parce qu'on pourra les lancer plus tard. Alors, ça pourrait être pas mal, mais ça coûte cher à démonter quand même. Voilà, je voulais voir s'il pouvait me craft des lingots d'argent. Il m'en fallait encore un. Lingot d'acier, non, voilà, lingot d'argent, s'il te plaît. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est tout pour le nom. Adieu. Donc maintenant, si je me trompe pas, la prochaine fois qu'on trouvera quelqu'un qui est capable de... Voilà, on pourra faire toutes nos épées. Hein. Alors, Argy, est-ce qu'elle... Ouh là là, oui, elle fait extrêmement mal. Efficace contre les monstres. Donc c'est une épée en argent, ça aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Elle a beaucoup mieux à faire encore. Objet magique. Elle est tout simplement violente. Hein. Elle fait très très mal. Par contre, elle a absolument aucun effet positif pour les insignes de... Ouais, ce serait peut-être mieux de faire celle-là. Enfin, on verra ça. De toute façon, on n'y est pas encore. Alors, j'ai ici plusieurs épées qu'on pourrait faire. Celle-là étant la meilleure. Et... Il me faudra qu'un seul lingot que j'ai déjà. Donc ici.
Ici, il faudrait 3 pour en faire. Elle fait très mal, mais elle a rien de particulier. Tandis que celle-là, ici, elle m'apporte des... Les dégâts sont vraiment impressionnants, par contre. Bon, on verra ça plus tard. Allez, je pense qu'on va arrêter ici pour cette vidéo. En tout cas, je vous remercie. On va continuer. Hein. Il ne reste plus grand-chose à faire. Et dans le prochain épisode, on terminera très certainement l'exploration de Blanchefleur. Quant à moi, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Un grand merci à vous tous. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos avis dans les commentaires, hein, dédiés. Et n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo, ça m'aiderait énormément. Et à vous abonner si vous en avez envie, ce n'est pas déjà fait, car franchement, il y a encore du contenu. Et ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, je remercie tous les gens qui me soutiennent. Et je vous souhaite une excellente continuation. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis, à plus. Ciao, ciao.